Et messieurs, et merci d'être venus par ce beau temps où, en principe, ça incite plutôt à aller en montagne. Mais enfin, bon, plutôt que de venir entendre des choses désagréables sur l'amour, euh, <laughs> <je vais> <laughs> dont je vais vous parler. Alors, dans la panoplie des sentiments que, qui sont à notre disposition dans les relations femmes-hommes, euh, l'amour est quand même la plus valorisée. C'est un sentiment intégralement positif. Et il est difficile de le soupçonner euh, qu'il soit de près ou de loin euh, en rapport avec la misogynie, évidemment. Alors. Euh, je vais essayer de vous démontrer le contraire, mais bon, il faudrait peut-être que je dise un mot, une parenthèse, une première parenthèse. Je vais essayer de ne pas en faire beaucoup parce qu'en fait, on m'a raccourci le temps d'un quart d'heure, donc il faut quand même que j'aille un peu plus vite. Misogynie, euh, oui, j'ai avec une collègue de, de l'Université de Pau un programme de recherche qu'on a appelé misogynie. Pourquoi Parce que... Au fond, le, la domination masculine, qui est un phénomène universel, hein, que l'on trouve sur toutes les latitudes et à toutes les époques, n'a pas, il n'y a pas de nom précis pour désigner l'agent de la domination masculine. Quand je dis l'agent, la domination masculine ne résulte pas que des individus, mais aussi des groupes. Des associations, des organisations, des institutions, des situations même. Ce n'est pas qu'une affaire d'hommes, si vous voulez. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, pour euh, désigner donc l'agent de la domination masculine, il y a des mots qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, dont le principal est sexisme. Parce que, bon, phallocratisme, patriarcat, euh, machisme, ça désigne des choses qui ne sont pas trop adaptées souvent lorsqu'on veut désigner une, une, une situation de discrimination. Sexisme, c'est le mot le plus employé. Or, pour moi, c'est un mot qui n'est pas acceptable, parce que les femmes peuvent être sexistes aussi bien que les hommes. Sexiste, c'est quelqu'un qui privilégie quelqu'un de son sexe hein, dans une situation où devrait prévaloir l'équité. Sexiste, c'est quelqu'un... Qui, 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 dire, qui diffuse des stéréotypes sur les femmes ou les hommes, hein, euh, sur l'autre sexe, en quelque sorte. Donc, les femmes, euh, la langue les autorise à être parfaitement sexistes, si je puis dire, autant que les hommes. Donc, ça, ce mot ne, ne me convient pas, en tant que chercheur, pour désigner l'agent de la domination masculine. Ce n'est pas un mot adapté. Si vous voulez. Alors, nous avons choisi le mot misogynie. Pour une raison très simple, c'est que c'est le premier mot dans la langue française qui désigne l'hostilité que les hommes peuvent avoir pour les, contre, pour les, enfin contre les femmes. Voyez le premier mot de la langue française. Et il est apparu au XVIe siècle, dans une situation, alors je ne vais pas vous faire toute la démonstration, mais dans une situation où les femmes ont percé. Et elles ont percé dans le domaine de la littérature elles ont percé dans le domaine. De, de la cour, c'est-à-dire du pouvoir politique. Autrement dit, ils ont percé dans le domaine du savoir et dans le domaine du pouvoir. Or, cette percée, qui date de la Renaissance, même, a engendré en France une première vague d'antiféminisme. Et c'est à cette occasion qu'il y a des hommes qui ont traité les autres de misogynes, c'est-à-dire de, de gens qui, qui était contre, contre les avancées des femmes. C'est la première fois que ça existe en France, cette poussée d'antiféminisme, et elle donne naissance à un mot qui est le premier mot. Dans tous ceux que j je viens d'énumérer, ce sont des mots des années 60, hein, sexisme, machisme, etc. Là, il date du XVIe siècle, et ce mot, c'est misogyne. Alors, nous avons repris ce mot en étendant son sens, si vous voulez, en en faisant. En faisant, si vous voulez, le mot qui désigne la domination masculine, le. le qu'on dirige l'agent de la nomination masculine. Alors, on pourra en reparler tout à l'heure, si vous voulez, pour des questions. Je ferme la parenthèse maintenant, mais voilà pourquoi vous avez le mot de misogynie ici, et non celui de sexisme. Maintenant, nous n'imposons rien, nous sommes des chercheurs et des chercheuses, et à ce titre, si vous voulez, euh, bon, on adapte notre vocabulaire à ce que nous pensons. Je pense que c'est une chose qui est légitime. Alors, revenons à l'amour, maintenant. L'amour est à la base, hein, complètement à la base, du couple aujourd'hui. Il est le fondement du couple. Donc il est le fondement de la famille. Et je ne vais pas ajouter de la société, parce que ça serait peut-être un peu exagéré. Mais enfin, avant, on aurait dit oui. C'est le fondement de la société. Ce phénomène-là, hein, l'amour est à la base du, de la, du couple, il est très récent. Enfin, très récent pour moi qui suis historien, il a deux siècles quand même. En enfin, fait, deux siècles, euh, c'est euh, quand même relativement récent. Auparavant, les mariages étaient arrangés par la famille, hein, par les, les familles. Et l'amour, donc, euh, était, un, euh, et, si vous voulez, était assez mal vu je vais l'expliquer, dans, cette, dans, cette, dans la création donc, du couple. Or, l'amour, voyez-vous, est le sentiment le plus égalitaire qui soit. C'est une idéologie égalitaire, par excellence. Alors, la question que je me suis posée, et c'est pour ça que nous avons lancé un programme sur la misogynie, c'est pourquoi l'amour, après deux siècles, D'installation in, du mariage d'amour, pourquoi l'amour n'a-t-il pas réussi à rapprocher un peu plus les hommes et les femmes dans le couple C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a toujours des inégalités dans le couple alors que règne l'amour C'est ça la question hein, que je me suis posée. Et c'est la question à laquelle. Enfin, les réponses, c'est celle que je vais essayer de vous donner. Alors, nous allons. voilà oh là, ça va vite. Hein. Donc, euh, retour en arrière. Non. Voilà, retour en arrière. Donc je vais commencer par vous présenter, ah, parce que tout est une d'histoire, vous l'avez bien compris, les choses, elles ne se font pas du jour au lendemain. Je vais vous commencer par vous présenter l'avènement du mariage d'amour en Europe au 16, du 16e au XVIIIe siècle. Enfin, du 7e et 18e siècle. Auparavant, c'est-à-dire au 16e siècle, à la fin du Moyen Âge et au 16e siècle, l'amour n'est pas du tout lié au mariage. Ce sont deux choses qui sont absolument indépendantes. Et euh, on considère que l'amour est même nocif. Hein. Euh, un mariage par amour, dit-on, ne, ne tient pas, ne, ne, ne tient pas longtemps, si vous voulez. Et euh, lorsque deux familles deux s'entendent familles pour créer une nouvelle famille, c'est-à-dire pour unir un, 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 une femme et un homme, elles ne tiennent pas compte du euh, consentement de l'un ou de l'autre. Euh, elles ne tiennent pas compte de l'inclination qu'il pourrait avoir. On pense au contraire que l'amour doit naître du mariage, il doit venir après le mariage. Mais attention, pas l'amour passion, hein, un amour euh, sage, un amour mesuré, quelque chose qui ne, ne dérange pas, si vous voulez, le couple. Alors, au XVIe siècle, il n'y a pas donc de sentiment euh, qui est envisagé pour créer euh, une, un couple, un nouveau couple. Et les dictons le disent, les proverbes et les dictons, vous savez, sont assez parlants. Il y en a un qui dit, enfin vous le connaissez peut-être parce qu'il est venu jusqu'à nous, euh, qui se marie par amour a de bonnes nuits et de mauvais jours. De bonnes nuits, je n'explique pas, et de mauvais jours tout simplement parce que quand on se marie par amour, c'est souvent... Parce qu'on fait une mésalliance. C'est-à-dire qu'un jeune homme euh, marie clandestinement une jeune fille qui n'est pas de son rang. Et comme il risque la, euh, le déshéritage, enfin, euh, il risque la sanction financière de ses parents, eh bien voilà, le couple ne dure pas longtemps. Et c'est effectivement ce que l'on voit assez souvent hein, en cas de mésalliance. Les familles détestent les mésalliances, vous comprenez pourquoi. Alors, la conception de l'amour qu'on a au XVIe siècle, à la Renaissance, donc fin du Moyen Âge et Renaissance, est une conception, je dirais, assez masculine, qui fait place plutôt au geste qu'à la parole, euh, qui fait place plutôt euh, donc, euh, à, des, à des, des, une, une conception si vous voyez, qui, qui met en qui met en avant la vaillance, le courage, vous voyez, de l'homme et la femme plutôt soumise et admirative devant cet amour-là. Et cette, cette conception de l'amour amène une, une situation où la séduction... Et, comment dirais-je, pas un peu brutal, mais enfin, disons, comporte des moments un peu brutaux. On pense quand même qu'au bout d'un moment, il faut forcer la femme. Le consentement de la femme n'est pas vraiment requis. On se contente d'assez peu. Vous voyez Brantome là-dessus et ses dames galantes. Et puis alors, au XVIIe siècle, les choses changent. Et changent, et changent de manière importante. On peut même parler de la naissance du couple moderne tel qu'il existe aujourd'hui. Au XVIIe siècle, cette conception de l'amour devient plus féminine, c'est-à-dire que les valeurs que l'on euh, que l'on imagine euh, en amour tendent plutôt vers la tendresse, c'est-à-dire que naît à ce moment-là l'amour tendresse. Je l'ai étudié de près. Le mot tendresse au sens actuel du terme affectif, tu sais. Il naît dans, les, dans la période 1630-1650. Et il devient très vite un, un synonyme du mot amour. Tendresse égale amour. Alors ceci peut se voir, vous le savez, dans les romans euh, sentimentaux qui apparaissent au XVIIe siècle, ceux de mademoiselle de Scudery notamment, et bien d'autres, Madame de Lafayette bien entendu. Ceci se voit également dans les comportements où de plus en plus on fait... Euh, attention, on porte attention à la femme, notamment dans le domaine de la séduction. Ce qui au XVIe siècle n'existait pas naît maintenant et on l'appelle la galanterie, qui est quand même un hommage au consentement donné à la femme, enfin un certain respect donc de la femme. Et il y a plus que ça. Il y a plus. Il y a plus dans la mesure où l'Église catholique et son poids est important en France sacralise le le, le mariage, à partir du, du concile de 30 au XVIe siècle, le mariage euh, devient un, 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 un sacrement, et un sacrement pris très au sérieux. Et cette, euh, dirait, cette évolution entraîne une promotion de la femme, euh, si vous préférez, de servante. Elle devient compagne. Hein, on passe euh, à une... une une situation moins défavorable pour les femmes parce que, précisément, on prend plus au sérieux le mariage qui, vous le savez, à la Renaissance est quand même assez bafoué. Hein vous voyez, rabelé là-dessus. Bon. Euh, cette, euh, cette, euh, comment cette nouvelle idéologie du mariage se manifeste d'abord dans des écrits comme ceux de François de Sales hein Femme, aimez vos maris Maris, aimez vos femmes. Il reprend Saint-Paul, mais il l'adoucit hein, il, il le rend plus. Plus, plus moderne. Et puis aussi, alors ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il y a des traités qui sont écrits, souvent par des ecclésiastiques, et qui sont destinés à euh, apporter euh, du bonheur dans la famille. Vous voyez et c'est tout à fait nouveau, cette idée de bonheur. En 1664, euh, le père Leblanc crée, euh, écrit un, un ouvrage dont le sous-titre est le suivant Moyen infaillible. De faire un mariage heureux d'un mariage qui était malheureux. Ces traités sont destinés à la fois à l'époux et à l'épouse, donc aux deux. Il y a une certaine égalité qui règne dans ces traités. Et le, le, le livre de Leblanc cherche à, à, donner les, à donner des solutions, finalement, aux conflits conjugaux. Oh, il y en a de très amusantes, mais là, je n'ai pas le temps de vous en parler. Euh, mais en gros, vous voyez, il prend très au sérieux les conflits conjugaux. Ce qui prouve quand même que maintenant, on pense que dans le couple, on peut atteindre le bonheur. Et pas simplement dans le ciel, mais sur Terre. Et l'idée de bonheur est très importante. Parce qu'on ne fait pas son bonheur tout seul. On ne peut pas être seul à faire son bonheur. On le fait forcément à deux. Et donc, il y a un esprit égalitaire qui s'introduit là-dedans. Alors, ce. Cette évolution, petit à petit, euh, entraîne une valorisation du mariage d'amour. C'est progressif. Hein. Au cours du XVIIIe siècle, petit à petit, le mariage d'amour entre dans les têtes, et après ça devient un modèle, et après ça rentre dans les mœurs au XIXe siècle. Vous voyez, tout ça prend du temps. Mais en gros, c'est ce qui se passe. Alors, la domination masculine là-dedans, ben, elle n'a pas bougé elle est toujours aussi forte, ça, c'est très important à comprendre. Elle a changé simplement de nature. Auparavant, XVIe siècle, Moyen-Âge, si vous voulez, 16e siècle, si vous voulez euh, il y avait une relation de type, une autorité, si vous voulez, de type domestique. Une autorité du mari sur sa femme, qui était celui du maître sur la servante. Même type d'autorité. À partir du XVIIe siècle, petit à petit, la femme devient le compagne, comme je dis. Et, euh, par conséquent, ce qui, en, ce qui se met en place, c'est une autorité de type affectif. Alors, c'est quoi une autorité de type affectif C'est tout simplement l'idée que la femme doit... Obéissance, elle doit toujours obéissance. Comme avant, elle doit obéissance au mari. Ça, c'est inscrit dans, les, dans le dogme. Mais cette obéissance, elle la doit par amour pour son mari. Et cet amour pour son mari, hein, il découle de l'amour que le mari a pour elle. C'est un retour. Elle lui doit obéissance, parce qu'elle lui doit de l'amour, et elle lui doit de l'amour parce qu'il l'aime. Et ça, voyez-vous, c'est exactement le schéma de nos rapports avec Dieu. Vous aimez Dieu parce qu'il vous a aimé en premier. Le mari aime en premier, la femme doit l'aimer en retour. C'est la même chose vis-à-vis -vis du prince, du roi, si vous voulez. Le roi aime ses sujets, et ses sujets doivent l'aimer en retour. Vous voyez, la hiérarchie est respectée, mais vous êtes entrer dans une dépendance de type affectif. Bon, la famille moderne donc se crée. Euh, alors, euh, bon, rapidement quand même, je ne veux pas tout éliminer. Ce phénomène vaut aussi pour les enfants. De plus en plus, euh, il est exigé des enfants l'obéissance, mais par amour pour leurs parents, euh, qui de leur côté ont de la bienveillance et de l'amour pour eux. Donc c'est un retour, c'est le mécanisme. Ce phénomène-là, cette évolution-là, est une évolution qui est en fait réglé par un principe d'homéostasie, c'est-à-dire que si vous bougez quelque chose dans la famille, tout bouge. Hein c'est-à-dire que le père lui-même voit son rôle évoluer. Le père maintenant, enfin, à la fin du XVIIIe siècle, c'est plus du tout comme à l'époque de Louis XIV. Le père doit être bienveillant. Il doit être à l'écoute de ses enfants. Alors, dans la réalité, c'est ça reste un peu brutal, mais globalement, c'est ce qu'on enseigne. Il faut il être à l'écoute de ses enfants, être bienveillant, etc. Bref, voilà mise en place la famille moderne. Je ne m'étendrai pas parce que mon sujet, quand même, c'est de parler, vous parler d'aujourd'hui. De, de, Alors, j'avais placé quelques images pour illustrer ceci. D'abord, celle-ci, qui représente un couple anglais. Et vous voyez la tendresse qui se manifeste par les gestes, le geste de l'homme, le geste de la femme, mais en même temps, l'homme commande, c'est lui qui monte la voix. Bon. Alors, euh, deuxième image, vous la connaissez, c'est L'accordé du village de Greuze. Et ce qui m'intéresse dans cette image... Euh, où l'on voit une image, enfin c'est une, une image d'épinal, l'imagerie traditionnelle qu'on se fait du mariage, etc. Le père hein, qui donne euh, sa fille à son futur gendre. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est qu'au centre même de l'image, il y a le geste de la main que fait la, la jeune femme, qui, qui touche le, le, la main de son futur mari. Et donc il y a là quand même la manifestation d'une tendresse, d'une inclination nouvelle, voyez. Et puis euh, cette image-là, alors bon, là il faudrait l'expliquer plus longuement, je n'aurai peut-être pas le temps. C'est à la fin du XVIIIe siècle. C'est une image d'une gravure de Vien, qui est le peintre qui a lancé le style grec. Et il montre Eros, le petit amour, et Anteros, qui est le grand amour. Anteros, vous le connaissez pas parce qu'il a surtout été représenté dans l'Antiquité. Il représente l'amour lorsqu'il a mûri, vous voyez. Donc l'amour conjugal, en quelque sorte. Et on voit Eros et Anteros euh, mêler leurs flammes, ce qui signifie, au fond, que. Le, le mariage repose sur l'amour et l'amour passion, l'amour, si vous voulez, qui doit mûrir et devenir amour conjugal. Alors là, c'est une chose que nous allons voir un petit peu. En réalité, euh, il y a aujourd'hui une égalité qui se fait chercher. L'introuvable égalité, c'est ma deuxième partie, si vous voulez. Alors. Ce qui est caractéristique aujourd'hui de la condition des femmes qui travaillent, et depuis le milieu du XXe siècle, il y en a de plus en plus, c'est la double journée qui fait qu'elles euh, supportent 70 à 80 ça dépend comment on calcule, des tâches domestiques. Je ne vais pas trop m'étendre, justement, pour pas perdre trop de temps. Enfin, il y a d'autres explications plus compliquées à venir. Donc ça, vous le connaissez, donc je vais passer là-dessus. Si l'on regarde euh, ce, ce graphique-là, on s'aperçoit qu'en 30 ans, depuis euh, 1970, les choses ont bougé, certes. Les femmes ont beaucoup moins de, de tâches domestiques, enfin, elles y consacrent moins de temps, mais les hommes n'y consacrent pas beaucoup plus de temps. Euh, en, revanche, euh, en revanche, leur temps de loisir est beaucoup plus important que celui des femmes, presque une demi-heure par jour de plus. Bon, vous m'excusez si je vais plus vite, puisqu'on m'a réduit à 45 minutes, donc je passe là-dessus. La conséquence, c'est ça, celle-ci. Hein. Merci pour les fleurs, mon cœur, mais passe plutôt l'aspirateur. Bon, tout ça, vous le connaissez, je, je, je m'en doute. Donc je ne développe pas. Ce que je voudrais euh, maintenant expliquer, parce que c'est plus difficile à comprendre, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à un couple à un moment donné. Un couple à un moment donné, s'il fonctionne, et il fonctionne, sinon il n'existerait pas, c'est toujours équilibré. L'un en fait un peu plus, l'autre en fait un peu plus, et puis au total, on est heureux, etc. Et on ne voit pas les inégalités se dessiner. Or, ces inégalités, elles se dessinent si vous prenez le couple sur le temps long, sur deux décennies, trois décennies, retournez-vous et regardez. Et là, vous verrez les inégalités dans les revenus, les inégalités dans les loisirs, les inégalités, alors les inégalités de toutes sortes. Mais je voudrais m'arrêter un moment sur les aléas de la vie. Si vous voulez. Alors, non, avant de passer aux aléas de la vie, excusez-moi, la dessinatrice Emma, j'avais oublié ce, ce dessin, très à la mode aujourd'hui, vous le savez, a insisté sur l'idée de charge mentale qui pèse sur les femmes. Alors, ces petits dessins, vous les connaissez, vous pouvez les chercher sur Internet, ils sont très nombreux, on en parle beaucoup. Hein. Les hommes, donc, euh, il fallait me demander, il fallait me demander, pas d'initiative, hein. il fallait me demander, j'aurais fait, évidemment. Ça veut dire que, bon, on attend. Bon, je vous passe la chose, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Alors, oui, je reviens à mon idée, là, euh, d'inégalité. Vous savez que les inégalités apparaissent notamment lorsque l'enfant arrive, et même surtout le deuxième enfant. C'est là que le taux d'activité des femmes s'effondre. Vous voyez qu'au deuxième enfant, il y a plus de 30%, de, il y a 30 de différence avec les hommes. C'est là que, que les choses s'effondrent. Alors c'est pour les enfants de moins de 3 ans. Il y a le même schéma. Lorsque les enfants sont plus âgés, les femmes reprennent le travail à partir d'un certain temps. Mais n'empêche que, globalement, si vous voulez, lorsque... Euh, l'enfant arrive, les inégalités euh, euh, s'accroissent, dans la charge mentale évidemment, puisque ça tombe sous le sens, mais aussi euh, dans le domaine euh, donc, du taux d'activité. Euh, ces inégalités augmentent également et surtout lorsqu'il y a un différentiel de revenus entre la femme et l'homme, lorsque l'homme gagne mieux sa vie ou a une meilleure position sociale. C'est là qu'on voit aussi des contraintes qui sont exercées sur les femmes. Lorsqu'il s'agit de prendre un congé et puis de, donc de, de, de réduire, si vous voulez, son temps de travail, c'est celui de la femme qui va être pris. Aujourd'hui, on va dire, mais on va passer à 80 à 60 etc. Et parce que c'est le, le, le salaire le plus bas qui va qui va subir un dommage. Lorsque euh, il y a ce, ce différentiel entre la femme et l'homme de de situation sociale euh, et que l'homme donc euh, obtient une mutation ou doit se déplacer eh bien c'est toujours la femme qui trinque parce que c'est elle qui suit le nombre de femmes qui suivent moi j'en connais énormément alors euh, les maternités je l'ajoute vous le savez ralentissent la carrière des femmes ça c'est un, global sujet. enfin les inégalités on les voit aussi sur le long terme Lorsque on s'approche de ce que j'appelle les aléas de la vie, les aléas ne sont pas du tout des aléas. Ils pèsent surtout sur les femmes. Les aléas de la vie, c'est d'abord les violences psychologiques et euh, physiques, parce qu'on ne sait jamais au début hein, si le partenaire ne va pas devenir violent. C'est sûr, il y a quand même 30 des hommes violents qui ont un profil tout à fait normal. Deuxièmement, les les, les aléas de la vie, ce sont les infidélités. Vous savez que les hommes sont plus infidèles que les femmes, là aussi. C'est les aléas, mais les aléas qui pèsent sur les femmes. Et puis il y a la séparation. Les séparations coûtent cher aux enfin. femmes. Alors, quelques images pour représenter tout ceci. Euh, les violences dans le couple. Bon. Alors... Euh le schéma est un peu compliqué, évidemment, et je n'ai pas le temps de tout maintenant de tout le, le, le commenter. Mais enfin, fait, ce que je retiens ici, c'est en bas, si vous voulez, euh, nombre de femmes déclarant victimes de viol ou tentatives de viol en 2014, 84 000, dont 10% qui portent plainte à peine. Mais dans ces 84 000, j'ai rajouté, il y a 37% de viols conjugaux, d'accord Moins de 10% des plaintes, et dans 90% des cas, la plainte est classée sans suite. Alors ça, ça fait partie des... Bon, des aléas de la vie quotidienne. Enfin, n'exagérons pas, pas de la vie quotidienne. Autre chose, les séparations. Alors, pour les, pour les infidélités, je n'ai pas de chiffres. Mais je peux... Enfin, je, je n'ai pas de, de figure. Je n'ai pas de figure, mais si, si, on le connaît, parce qu'on connaît quand même. C'est difficile à étudier, mais ça s'étudie. Alors, les infidélités. Euh, en 1970... Euh, 19% des Français. Euh, oui, c'est ça. En 1970, 19% des Français déclaraient avoir commis une infidélité dans leur vie. En 2014, ils étaient 41%. Donc on est sauté de 19% à 41%. Alors peut-être qu'ils avouent plus, peut-être qu'il y en a plus, mais enfin voilà. Mais dans, cette, dans ces chiffres de 2014, il y a un pourcentage d'hommes qui s'élève à 55%, qui est Déclarent avoir commis une infidélité dans leur vie, au moins une, disons, et il n'y a que 32% des femmes. Donc il y a un différentiel là qui est assez important. 55% d'un côté, 32% de l'autre. Alors, euh, le coût de la séparation est beaucoup plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Alors là, il y a, il y a, je n'ai pas eu le temps de mettre ça en chiffres, mais j'ai lu une étude l'autre jour qui était vraiment très intéressante. On calculait la situation de couple. En 2008, on prenait les couples en 2008 et le revenu, les couples qui se sont séparés ou qui ont rompu un pax en 2009, et on a examiné ensuite en 2010 où on en était. Et bien après la rupture, soit divorce, soit rupture d'un pax, les femmes en un an perdent 14,5% de leur revenu, et les hommes gagnent 3,5%. Et ça, c'est un chiffre vraiment qui est assez impressionnant. Donc le coût de la séparation est beaucoup plus élevé pour les femmes qui ont en général donc la charge la garde des enfants. Et vous voyez les chiffres, 35% presque des familles monoparentales sont pauvres. Et donc 85% ce sont des femmes seules qui élèvent les enfants. Donc là aussi, hein, euh, les aléas de la vie, euh, les séparations, etc., qu'on ne peut pas prévoir au départ. C'est pour ça qu'on parle d'aléas. Mais, mais y a pas de... ces aléas retombent toujours euh, presque sur les femmes. Alors pourtant... Les trois quarts des divorces sont réclamés par les femmes. Vous le savez. C'est donc elles qui sont le plus souvent déçues de leur vie conjugale. Alors aujourd'hui, le taux de divorcialité est d'environ 44%. Le taux de divorcialité, c'est calculé de la manière suivante. On prend en 2014 tous les mariages qui craquent, enfin qui, ont, qui sont sont donc qui sont terminées, toutes les séparations et on, on, on regarde ça selon la date de, de du mariage hein, précédent donc on, on mêle tout ça et on prévoit donc le nombre de divorces qu'il y aura à part, à, sur les mariages de de l'année 2014 euh, j'espère que je m'explique bien <laughs> donc si si tout se passe comme ça se passe en 2014 pour les séparations. Les mariages qui ont lieu en 2014, 44% termineront par un divorce. Voilà, c'est ça, le taux de divorcialité. C'est pas mal, ça a baissé un peu, ça reste quand même beaucoup. Alors ce divorce intervient depuis très longtemps, depuis le temps qu'on étudie ceci, le divorce intervient massivement dans les cinq premières années. Cinq premières années de mariage. Hein. Cinquième année, bon, après, ça, ça décroît. Il bon, euh, y a un journaliste qui a titré L'amour dure cinq ans. Ce bon, c'est pas exactement comme ça que je verrai les choses. <laughs> Alors, c'est justement autrement que je veux voir les choses. Et c'est là la clé maintenant, cette troisième partie est la clé des choses. Aimer, c'est céder. Bon, j'ai choisi le, le verrou de Fragonard, mais bon, je ne vais pas donner des explications. Alors, trois choses. Je vais vous expliquer d'abord ce que c'est que le pouvoir de confirmation. Vous voyez cette belle gravure qui représente un couple d'amoureux. C'est tellement égalitaire qu'on arrive mal. Du premier coup, on voit mal qui est le garçon et qui est la fille. Bon. Donc j'ai choisi cette gravure qui est magnifique. Mais l'amour est un sentiment égalitaire, je l'ai déjà dit. Mais il faut distinguer quand on parle d'amour, la passion amoureuse, de l'amour. Je dirais conjugal, c'est-à-dire de l'amour que vit un couple installé, qu'il soit marié ou pas. Mais voilà. dans la passion, le couple vit un moment extrêmement égalitaire. Car le pouvoir de confirmation est à son apogée, pour les hommes comme pour les femmes. Alors, qu'est-ce que c'est que le pouvoir de confirmation Quand nous échangeons avec quelqu'un d'autre, avec autrui, nous nous attendons à ce qu'il nous confirme dans ce que nous sommes, dans ce que nous voulons être. Vous voyez Quand vous allez voir, vous êtes malade, vous allez voir un médecin, vous pensez qu'il est compétent, mais c'est parce qu'il vous confirme dans votre choix que quelqu'un d'autre irait voir un prêtre, un guérisseur. Vous, voyez vous allez choisir votre médecin, vous allez choisir plutôt un homme, plutôt une femme. Un jeune ou un vieux. Enfin, quelqu'un qui a de l'expérience, on va dire. Vous voyez Tout ça, vous avez, vous voyez, vous choisissez votre interlocuteur, vous l'investissez vous, vous d'un pouvoir de confirmation. Il vous confirme. Il est digne de vous. Il est digne de vous. Et il vous confirme dans ce que vous êtes. Vous C'est merveilleux. Et ce pouvoir de confirmation, j'espère que vous avez bien, je me suis bien expliqué, ce pouvoir de confirmation, il faut dire que dans l'histoire et encore aujourd'hui, celui des femmes n'est pas très élevé par rapport à celui des hommes. Euh, les femmes ne sont, euh, sont pas prises suffisamment au sérieux, si vous voulez. La vie d'une femme compte moins que celui d'un homme, de manière générale. On en a fait la preuve, malheureusement, par des des, 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 des expériences extrêmement faciles à réaliser. Hein. Vous prenez un article et vous le signez d'un homme du nom d'un homme, vous le faites passer à un groupe hein, euh, qui, et, et, et à un autre groupe, vous allez, un groupe d'hommes et de femmes, hein, vous allez leur donner le même article mais signé d'une femme. Et les commentaires sont affligeants, euh, ils sont beaucoup plus durs envers les femmes. Faites la même chose avec un CV hein, et vous aurez le même résultat. Ma foi, malheureusement, ça a été souvent... Alors, ce pouvoir de confirmation, donc les femmes, il a toujours été inférieur à celui des hommes. Sauf dans un cas. Alors, excusez-moi, je fais une parenthèse. Euh, je parle à rôle égal, hein, à rôle égal. C'est-à-dire que si vous prenez une reine, évidemment, elle a un pouvoir de confirmation très fort, <laughs> par excellence. Hein. Mais à, à niveau égal hein, des, des femmes et des hommes, euh, il est évident que les femmes ont un pouvoir de confirmation plus faible. Sauf en amour. Alors, en amour, au contraire, leur pouvoir de confirmation est extrêmement fort, comme celui de l'homme euh, lui-même. Hein. C'est dans le rôle de l'être aimé que la femme est la plus valorisée et l'homme est la plus valorisé aussi. D'où un sentiment de communion, de fusion, hein, qui est assez manifeste ici. Et ça confère à l'amour donc cette idéologie égalitaire. Hein. C'est ce de... pour ça que l'amour paraît si égalitaire, parce que le pouvoir de confirmation est à son niveau le plus élevé. Alors, si on précise un peu les choses on dira que chacun abandonne ses défenses identitaires. Nous avons des défenses identitaires vis-à-vis d'autrui. Et en amour, elle cède ses défenses. Et on remet sa liberté et même sa vie dans les mains de l'autre. C'est énorme l'amour de ce point de vue. C'est considérable. On peut mourir pour l'autre. Bref, et ça c'est vu, non Donc, Bourdieu ajoute et on abandonne. Toute intention de dominer, de dominer. Vous voyez Donc la domination masculine, dans la passion, elle, elle paraît disparaître. Je dis elle paraît parce que bon, mais voilà. Bon, Or, malheureusement, l'autre, même si c'est l'être aimé, ne peut pas satisfaire éternellement tous nos besoins identitaires. Malheureusement. Ce qu'apporte l'amour, c'est-à-dire qu'il atténue nos angoisses, l'angoisse de l'autre, l'angoisse de l'altérité, l'angoisse du sexe opposé, l'angoisse de la sexualité qui est profonde, et surtout l'angoisse de la mort, parce que l'amour est quand même le meilleur, la meilleure antidote à la mort. Eh bien ça, malheureusement, ça ne dure pas longtemps. Au bout d'un certain temps, alors ce n'est pas les cinq ans précédents, mais au bout d'un certain temps, la passion retombe et du coup, du coup, reviennent sur la scène les conditions socio-historiques de la domination masculine. et donc, après ce moment de la passion, on revient à un moment amoureux, bien sûr, si on est toujours dans, dans l'amour, mais un autre type d'amour, un amour fait d'attachement, un attachement différent, qui est l'amour conjugal ou l'amour. Hein, et là, réapparaissent les conditions de la domination masculine. Et je passe donc à ce qui est un point important dans ce qui va se passer, le surinvestissement affectif des femmes. Les comportements sexuels des jeunes se sont rapprochés, des, des femmes et des hommes se sont rapprochés. Même âge au premier rapport sexuel, même pratique ou presque. Mais l'investissement des filles dans la relation amoureuse est bien plus fort que celui des garçons, ce qui explique qu'elles sont plus souvent déçues. Alors, un chiffre les deux tiers des femmes disent qu'elles ont été follement ou du moins très amoureuses du garçon avec qui elles ont eu leur premier rapport. Sexuelle. Les hommes ne reconnaissent ça que dans un tiers des, un tiers des hommes seulement. Oui, il, y a un, il y a un très gros décalage dans l'investissement affectif des femmes. Et le pire, enfin, c'est pas le pire, mais c'est qu'une grande proportion des jeunes femmes, hein, entre 18 et 35 ans, un cinquième à un quart, voyaient dans leur premier amour leur futur conjoint. Vous direz, c'est pas beaucoup, 25-30 c'est quand même beaucoup, parce qu'aujourd'hui, euh, bon, on ne s'arrête pas au premier, en général. Alors, le lien entre la sexualité et le sentiment est beaucoup plus fort chez les femmes, et cela conduit à une dépendance affective qui est une source de discrimination. Par exemple, à la question, peut-on avoir un rapport sexuel avec quelqu'un sans l'aimer. Les trois quarts des femmes répondent non. Seulement un homme sur deux répond non. Et cela met un frein, donc, pour les femmes, au changement de partenaire et à l'infidélité, tandis que les hommes ont un boulevard devant eux. Le surinvestissement affectif des femmes est dû à leur éducation, comme vous le savez, leur socialisation on leur a appris à être à l'écoute des autres, à être bienveillante, à ne pas soulever de conflits inutilement. Bref, tout ce que l'on groupe aujourd'hui dans le nom du care, c'est-à-dire le souci des autres. Et ça se manifeste notamment, vous voyez, dans la différence, on préfère des filles pour garder des enfants que des garçons. Ce n'est pas simplement une question de pédophilie, comme on m'a dit avant-hier, mais c'est aussi tout simplement parce qu'on estime que les filles sont plus attentives, donnent plus de soins euh, bon, voilà, aux enfants, qu'elles sont plus attentives. Alors, cette, cette discrimination, parce que c'est une discrimination, les femmes en retirent quand même des satisfactions identitaires, c'est vrai. Mais, euh, en même temps, elle le paie très cher dans l'univers relationnel, dans les relations avec les autres. Hein. Cette, cette espèce de, de dirais-je de, de, de destinée, s'il euh, conduit au sacrifice d'elle-même, elle le paie très cher dans les relations, euh, dans l'univers relationnel. Par exemple, dans le choix d'un partenaire, les hommes préfèrent la jeunesse et la beauté, c'est sûr, et rien d'autre hein, en général. Ou pas grand-chose d'autre. Tandis que les femmes sont plus ouvertes, elles privilégient parfois, elles sont sensibles, disons, à d'autres atouts, comme la position sociale, comme euh, le prestige intellectuel. Et euh, elles parlent volontiers de la beauté intérieure de quelqu'un. Si vous avez déjà entendu un homme parler de la beauté intérieure, vous me faites signe. Parce que si. Non, parce que c'est vrai, pour les hommes, la beauté, c'est la beauté physique, point final. Il n'y a pas de beauté intérieure. C'était expression ça, de, de roman à l'eau de rose pour eux. Vous voyez, bon, alors, euh, résultat des courses, si vous voulez, la vie amoureuse d'un homme peut se poursuivre beaucoup plus longtemps que celle d'une femme. Ils sont plus sollicités, et plus tard, les femmes le sont beaucoup moins, etc. Donc, les couples inégaux, comme on disait avant, et comme. Notre président donne le bon exemple, euh, sont, des, sont quand même le plus souvent au bénéfice des hommes qu'au bénéfice des femmes, vous le savez. La socialisation des femmes les conduit à faire des sacrifices, j'insiste, à accepter des situations que les hommes n'accepteraient pas. Elles sont notamment plus indulgentes que sur les infidélités. Elles sont également, elles leur rendent des services qu'ils ne leur rendent pas. Elles les soutiennent dans leur carrière, dans leur ego, si vous voulez. Bref, tout ça pour obtenir la reconnaissance de l'homme, pour obtenir sa validation, sa confirmation. Malheureusement, il y a une expression que j'aime pas vraiment, mais ce sont des féministes américaines qui l'ont popularisée dans le titre d'un livre. Elles ont l'homme dans la tête. Autrement dit, l'homme est survaloré. Hein il est surestimé. Survaloré. Alors, dernier point, si vous me permettez ce retard parce que je suis en retard mais c'était un peu prévu la vie de couple dans la vie de couple l'amour est vainqueur de tout amour mien vainquit alors cette dépendance affective est responsable de bien des inégalités c'est vrai que aimer c'est céder j'ai dit souvent aimer c'est céder mais les femmes cèdent plus que les hommes c'est ça le problème vous voyez elle cède plus et euh, elle cède dans toutes sortes de cas et c'est pas par amour qu'elle cède, pas toujours par amour. L'amour, euh, disait François de Singly, c'est, je vais retrouver l'information, il disait euh, l'amour sert à rendre aimable l'égoïsme du mari. c'est juste. Alors cet exemple que vous voyez ici, c'est le dernier que je vais développer et très simplement, il s'agit du nom de famille donner aux enfants. En 2014, voyez-vous, on, on en est encore là. Depuis 2005, on peut léguer à son enfant le nom du père, le nom de la mère ou le nom des deux associés dans l'ordre que l'on veut. Dix ans plus tard, voilà la situation. 83% des couples donnent à leur enfant le nom du père comme c'est l'usage l'usage le reste bon, je ne vais pas le commenter ça serait un peu trop long mais euh, le reste est insignifiant à côté de ces chiffres et si on prend les couples mariés qui en principe sont plus traditionnels c'est 95% dans le mariage bon alors euh, les femmes se sont battues pendant des décennies pour garder leur nom de jeune fille dans le mariage et elles l'ont obtenu Or, il semble qu'elles soient beaucoup moins disposées à le léguer à leurs enfants. Et là, il y a quand même un problème. Alors réfléchissons, une minute, vous connaissez tous la question. Lorsqu'un enfant euh, paraît, pour... euh, il faut choisir un prénom et un nom. Le choix du prénom, c'est l'unique. On va chercher dans les livres, on cherche sur Internet, on discute, on cherche, on se met d'accord, on ne se met pas d'accord, on se chiffonne, on ne se chiffonne pas. On en parle ou on n'en parle pas, on le garde secret, etc. etc. Mais au total, c'est une situation gagnant-gagnante. Gagnant-gagnante parce que qu'un enfant, vous pouvez lui donner deux prénoms, trois prénoms. Donc il euh, y en a un qui peut dire, bon, moi, bon, j'ai mis le deuxième. Hein, hein. On peut donner un prénom composé. Pierre-Yves, Marie-Françoise, etc. Bien. Et puis, on peut même à la limite dire bah, bah, le second lui donnera le nom que je préfère. Bon, vous voyez, ça, tout ça, c'est ludique. Mais le nom de famille, c'est pas possible. Le nom de famille, il y a un choix à faire, direct. Le père, la mère, les deux. Hein. Et, et là, il n'y a, a pas de possibilité. Et surtout, le, le deuxième, le troisième enfant porteront le même nom. Et voilà qu'on retombe dans l'usage, la tradition le nom du père. Hum, c'est lacanien, presque, hein. le nom du père. Alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive là Eh bien, parce que les femmes ne sont pas les seules responsables, mais si on ne soulève pas, si elles ne soulèvent pas le choix du nom, eh bien, c'est l'usage qui va s'imposer. Et elles ne le soulèvent pas pourquoi Si elles y pensent, c'est en bonne partie parce qu'elles ne veulent pas introduire un clivage dans le, groupe, dans le couple. Revendiquer que l'on donne son nom à l'enfant, c'est quand même faire preuve de, comment pas d'agressivité, mais enfin de revendication face à la domination masculine. Et ça, en amour, c'est très embêtant. On parle du premier enfant. Pas, on ne fait pas de vagues. C'est symbolique. Donc, on cède, on, on fait semblant de ne pas y penser. Mais bon, on l'a dit. Hein. On fait semblant de ne pas y penser. On a oublié. Eh oui, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Et des jeunes, je parle de jeunes couples. Eh oui, oui, c'est vrai. On aurait pu. Mais on n'y a pas pensé. Et si elles y pensent, souvent, elles refoulent. Elles cèdent. Elles cèdent par amour. Elles cèdent par amour. Et donc, céder par amour, c'est une blessure qui est extrêmement euh, faible. Très, très, petite, très petite blessure qu'on oublie vite, si vous voulez. Voilà. Et donc, on, a, on aboutit à des situations où la domination masculine s'exerce encore sans partage, il faut le dire, dix ans après qu'une loi ait été votée euh, qui allait dans notre sens. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre attention. Au